Tout le monde, c'est Seaside. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 3. Je me suis téléportée directement à Oxenfurt. Normalement, si j'ai bien fait mon job, j'aurais mis une séquence cinématique juste avant cette vidéo. Parce que j'ai voulu faire hors caméra le trajet vers Oxenfurt, il s'est avéré, il y avait une autre quête qui s'est enclenchée juste après que j'ai quitté le manoir. Et j'ai filmé ça in extremis, mais voilà, j'ai pas. C'est un peu bricolage, hein, il faut l'avouer. Donc, une jeune femme qui nous a demandé de retrouver quelqu'un, de venger quelqu'un, voilà. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes dans une zone militaire ici. Boulot? Récolter la taxe de guerre. À vous voir, j'ai plutôt l'impression que vous cherchez à financer la prochaine tournée de votre cas. Tu feras moins le malin quand on t'accusera d'espionnage. Alors ferme ta grande gueule et allonge l'artiste. Mais pourquoi tout le monde veut me piquer de la thune? Non, je veux pas payer. Tu crois franchement que je vais payer un mec? Il me demande 5000 couronnes. Tu crois que j'ai que ça à faire de te donner? Mais non! Tel patriotisme, ça me réchauffe le cœur. Ah non, non, non. Non, non. Je suis pas d'accord. J'ai fait vers le bas. Sauvegarde manuelle, je m'en fous, je la recharge. Je m'en fous, je la recharge. Il y a eu un gros lag du jeu. C'est pas un lag, mais il y a eu un ralentissement du jeu qui fait que ça m'a pris la première proposition alors que je suis allée sur la deuxième. Non, je ne veux pas payer. Non, non. Alors là, je reviens, je recharge, je m'en fous, vous allez regarder ce magnifique écran de chargement, mais je ne paierai pas ces deux sous-là. Alors là, ça c'est clair. Ça commence bien cette vidéo, déjà que la fois dernière, j'ai pas vérifié si j'étais vraiment devant ou pas pour la course. Déjà que j'ai un échec de quête alors qu'on est en début de DLC, ça commence bien. Et là, il y a des mecs qui essayent de me taxer 50 couronnes. Déjà que dans ce jeu, c'est hyper difficile de se faire la thune. Or, si à chaque coin de rue, je me fais taxer de l'argent, ça va pas le faire. Je m'en fous, je recommence la séquence, je la recharge, j'en ai rien à faire. Je ne veux pas payer ces deux mecs. Alors, pas du tout. Donc on attend que ça finisse de charger. Et là on va passer aux choses sérieusement. Fou, je me bats avec eux. Je pense que j'ai largement mes chances. Vu le niveau que j'ai et vu le stuff que j'ai. C'est pas pour me la péter, mais un peu quand même. Allez, on y arrive. Vous allez voir, ça aura valu le coup qu'on recharge la sauvegarde. Parce qu'on va pas payer déjà. 50 couronnes quand même. C'est pas rien. Tiens, faudrait que j'aille à la banque pour essayer de changer l'argent que j'ai pu trouver dans certaines grottes, certains donjons. Voilà. Donc, on va prendre notre temps. On va choisir la bonne option, mais je ne paierai jamais. Alors là, non ! Où est-ce que vous croyez aller comme ça ? Je vais passer, hein, parce qu'on s'est déjà mangé la discussion. Tu feras moins le malin quand on... Alors, pas question que je paye. Je ne vous donnerai pas un sou. Je t'avais dit que c'était un espion. Au nom de notre bon roi Radovid, on t'arrête. Vous pouvez toujours essayer. Que se passe-t-il ici? Nous avons capturé un individu suspect, mon lieutenant. Non, c'est surtout que je voulais pas payer la fameuse taxe. C'est à peu près aussi crédible que vous deux en gouvernante. Si je vous reprends à extorquer les voyageurs, je vous envoie au front tous les deux. Il me dit qu'on a déjà eu affaire avec lui. Quant à vous, sorceleur, la prochaine fois, faites le tour. Ah bon, pourquoi? Merci. Adieu. Voilà, j'ai pas payé. Et toc. Et regardez-vous, j'ai juste envie de leur foutre un pain dans leur tronche. Ah, il avait sorti son arme et tout, ouais.
Alors que moi, je passais par là sans souci. Hein. Pourquoi du jour au lendemain, ils ont décidé de venir me casser les noix? Alors, pénétrer dans les égouts. Qu'est-ce que tu racontes, mendiant? Bon, je m'en fous. Faut mieux pas y mettre les pieds. Vous savez, les ordres, les ordres. Ouais. Elle a dévoré des dizaines de jours, c'est pareil. Je pouvais pas parler avec le mangeur, apparemment il racontait des trucs intéressants. Alors, il y a un truc là-bas. Par contre, je vais pas utiliser la potion chat pour le moment. Il y a pas. Ah, il y a un petit coffre là. Une poudre spectrale. J'hésite à. Alors, attendez. Non, je l'avais déjà. Je vais voir si j'utilise la potion chat. Des traces de bottes. Vu la pointure, sûrement un homme. Je croyais que seules les femmes venaient chercher le prince maudit. Il y a aussi des empreintes d'une femme. Une seule série. Elle est venue seule. Ouais, et il y a un truc qui est là-bas. Je vais prendre la potion chat pour voir ce qui se passe. Un noyeur qui est niveau 30 ? Mais genre, il est ultra stuffé. Salut. En général, un noyeur pose pas trop de problèmes. La preuve, il m'a pas touché une seule fois. Je ramasse des trucs. Il y a un coffre là-bas. En plus, je suis jamais venue par ici. Oh, du bois, si tu veux. Ah, il y a des cadavres là. Alors si vous entendez des bruits, c'est Pixel qui joue à Mad Max. Pas par un monstre. D'accord, il y a un homme qui est à l'origine de tout ça. Ok, ce serait un homme. Il y a une porte par là-bas. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire c'est carrément un meurtrier. Ah. Laissez-moi explorer la caisse. Oula, même un garde. Un garde a voulu peut-être régler le compte. Tu m'entends? N'y songe même pas. Ça doit être des rendez-vous galants. Oh, regardez, il y a du sang sur madame. Chani? Gérald? Que fais-tu ici? J'essaie de lui sauver la vie. Aide-moi. Attends. C'est qui? Calme-toi. Il est mort. On doit pouvoir faire quelque chose. Laisse-le. On sort. Ah, les médecins. Elle a le... Tu as fait tout ce que tu as pu. Elle a le signe des médecins, là. Je crois. Si. Merci. Gérald. Ça me fait plaisir de toi. C'est un peu glauque, hein. Non, ailleurs, mais pas ici. J'ai perdu ta trace après avoir quitté Vizima. Qu'est-ce que tu deviens? Pour faire court, j'ai soigné les malades et les blessés. Oui, c'est une médecin. Principalement dans mon dispensaire à Oxenfurt. Mais en Redania, on me demande aussi d'aider l'armée. Je suis curieux d'entendre la version longue. D'accord. Commençons par sortir des égouts, alors. Oui, parce que là, c'est un peu glauque. L'armée rédanienne t'a forcé à venir patauger ici ou tu voulais simplement visiter les égouts? On a reçu nos ordres ce matin. J'étais accompagnée d'une escouade entière, mais quelque chose nous a attaqués. Ce soldat, tu le connaissais bien? Il s'appelait Knowles. Il partait en permission dans une semaine. C'est fichu. Et pour le reste de son unité aussi. Voilà. Combien était-il? Ils sont partis au casse-pipe. Six braves gars. Et elle est la seule à avoir survécu. Qu'est-ce qui vous a attaqué? Tu as pu voir? Non. J'ai pris mes jambes à mon cou dès qu'il est apparu. C'était énorme. Ça crachait du venin et ça faisait des bruits de langue. Sûrement pas un nécrophage ou une horde de noyeurs. Non. Cette chose était énorme, mais seule. Quelqu'un lui a lancé une torche. Le monstre l'a complètement ignoré. D'accord. Il ne craint pas le feu. C'est bon à savoir. D'accord, Igni ne sert à rien. Pourquoi t'ont-ils dépêché ici? Enfin, si ce n'est pas une information confidentielle. Il me faut un échantillon de venin provenant de la bête qui rôde dans ces égouts.
Elle ne fait pas que tuer ceux qui descendent ici. L'eau de nombreux puits est contaminée. Les gens tombent malades, dont des soldats rédaniens. J'ai prévu de tuer la bête. Je t'apporterai un échantillon de son venin ensuite. C'est gentil, mais je préfère t'accompagner. Je prélèverai l'échantillon, moi. Tu me fais pas confiance ? Cette créature est dangereuse. Tu as pu le constater. Ah. Je suis une grande fille, Gérald. Je sais me débrouiller. N'essaie pas de m'en dissuader, je n'en ferai qu'à ma tête. Très bien. Comme tu voudras. Montre-moi l'endroit où le monstre vous a attaqué. C'est par là. Ok. Alors, je connais pas ce perso. Quelque chose de gros a frappé dessus, avec beaucoup d'élan. Je l'ai fermé en fuyant. Le monstre a dû la percuter. Content qu'elle ait tenu. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin. Ça vaut la peine de chercher dehors ? En fait, j'espère juste que le coup du monstre a affaibli un des murs. Ok. Je voulais juste attendre 2 secondes qu'ils finissent leur truc. Alors, Shani, ça me dit rien du tout. Peut-être qu'on la croise dans le 2 ou le 1. Mais va falloir d'ailleurs que je continue le 2. Ok. Il y a un monsieur qui est mort ici. Ah, bon. J'ai pas pu faire autre chose. Un autre monsieur qui est décédé. Ma foi, les cadavres... Soldats de ton escorte. S'accumulent. Oui. Ce sont eux. Verne. Niklas. Oh, les pauvres. Oui. Cette bête ne fait pas dans la dentelle, apparemment. Ils m'ont sauvé la vie. Tu les connaissais bien ? Lui, je l'avais rencontré ce matin. Mais j'avais servi avec Verne à la bataille de Dorian. Niklas venait de s'engager. Désolé. Quand tu auras tué la bête, il faudra envoyer quelqu'un récupérer leur corps, pour les enterrer dignement. Que s'est-il passé, au juste ? À notre arrivée ici, Miklas s'est mis à chercher des traces. C'est là que des noyeurs ont attaqué. Les hommes les ont vite mis en pièces, mais Franz a été blessé à la jambe. Je suis restée avec lui pour lui faire un bandage pendant que Nols montait la garde. La bête a surgi à ce moment. Nols m'a poussé vers la sortie et s'est jeté sur le monstre. Je me suis retournée et je l'ai vu étendu là, couvert d'une substance visqueuse. J'ai couru jusqu'à lui, puis je l'ai traîné jusqu'où tu nous as trouvés. Où était le monstre ? Miklas et Verne l'avaient attiré loin de nous. Ils l'ont payé très cher. Tu as pu voir ce qui vous a attaqué ? Tout s'est passé si vite. Non, je n'ai fait que l'apercevoir de dos. Mais je peux dire qu'il était énorme et visqueux. Je dois inspecter le coin. D'accord, c'est pas très engageant. Il est là. Franz ? Je ne le vois pas. Tu crois que le monstre l'a emmené ? Pour le manger ? Non, bah non, parce qu'il a pas mangé les autres. Le monstre s'est sûrement glissé par là. C'est profond. Le niveau inférieur des égouts est fermé depuis des années. Mais Verne, le commandant, avait un pass. Ah ! Je vais voir si je le trouve. Tu restes là ? Tu veux pas venir avec moi ? Ok, je vais juste sauvegarder. Ouais, je vais juste sauvegarder avant... Ah, il y en a ! Coucou ! Coucou ! Ok. Non, c'est juste que... Ferme ta bouche. Je vais chercher un autre accès. Sois prudente. Non, ah non, c'est pas ce que j'ai dit de faire, mais bon. Bon, ouais, je crois qu'il est à fond sur l'autre. Hein. Ok. Allez, place ton punch. Hop. Ok. Attends, hop. Boum. Allez, ok. Hop. Boum. C'est pratique quand même, le souffle télékinétique, parce que... Oh là là, il est à fond sur l'autre qui est au fond, là. Ok. Oula.
Ils sont pas si casse-bonbon que ça, mais c'est juste qu'ils... Ok, d'accord, ça servait à rien, mon ami. Ok, c'est bon. En fait, ils sont très rapides et on a du mal à parer leurs attaques. C'est ça le gros souci avec les noyeurs, mais sinon ça va. Ah, il y a du gaz et tout. Et toi, comment es-tu arrivé ici ? Vern, le commandant, il avait la clé des grilles. Ah. Non, c'était plus simple. Regarde, c'est Franz. Ah, bah je crois que ça a servi à rien ton bandage. Ou plutôt ce qu'il en reste. Une partie qui a été emportée ? Quel genre de bête peut faire ça ? Ah, il lui manque sa jambe gauche. C'est drôle. Intéressant. Pourquoi que la gauche ? Franz s'était blessé à la jambe, c'est ça ? Ah, elle a pris que la jambe. Tu avais appliqué quelque chose dessus ? Un peu d'alcool, c'est tout. Pourquoi tu me demandes ça ? Regarde, il lui manque la moitié de la jambe. Le monstre. Genre l'alcool ? Il adore que l'alcool. Les articles sont intacts. À l'exception des blessures du... C'est bizarre. Tu veux dire que la bête aime l'alcool ? Bah c'est peut-être pas qu'une bête, mélanger en fait. Hein. Ça brûle de noyeur ici. Mettrait le feu à tout ça. Eh bien, ça veut dire que notre monstre ne les attaque pas. Ouais. Ils ont l'air de s'accommoder de ce qui rôde dans les égouts. Ils sont un peu en symbiose. C'est peut-être une sorte de... Est-ce que c'est pas un humain qui se transforme ? Je doute qu'on apprenne autre chose ici. Il faut trouver son antre. Je te suis. Oh, c'est peut-être une idée au caca-boudin, là. Mademoiselle, là. Bon ! Alors... Ah, il y a d'autres noyeurs là-bas. Je vais peut-être reprendre le souffle télékinétique parce que ça m'a bien servi. Jamie, attention, regarde-toi ! Ah, oh, punaise. Oh, punaise. Ah, il résiste, hein. Allez, vas-y. Hop. Allez, hop. Non. J'aime bien la tank, que son heure arrive. Regardez-moi ça. Elle est en genre, non, pas moi. Alors... Des fleurs séchées. Et il y avait ça sur lui. Et il devait peut-être retrouver quelqu'un. Alors, il y avait quelque chose. Une femme. Elle espérait sûrement trouver son prince. Ah, c'est bizarre la texture qu'il y a sur le mur. Hein ? Vous avez vu ça ? Non, alors, voilà. Un soldat rédanien. Il a dû venir chasser la bête seule. L'idiot. Enfin, l'idiot, voilà quoi. C'est par où qu'on doit passer ? Ah, c'est par là. D'accord. Bon, on va prendre le souffle encore. Hein. Ok, ça servait à rien, quoi. Ah, si. Ah, raté. Ok, c'est bon. Alors. Il y a d'autres cadavres. Encore une pauvre romantique. Elle voulait lever la malédiction d'un prince, mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible. Et encore une autre. Pauvre femme. Ouais. Elle a tenté de ressortir. Tout est englué ici. Ça suffira pour ton échantillon. Ça suffirait si le mucus n'était pas contaminé. Ah. D'accord. Il y a une porte par là. Il y a quoi au fond ? Coffre. Ok. Bon, au moins ça c'est fait. Après, je suis pas allée regarder dans les autres extrémités des égouts. J'aurais peut-être trouvé du stuff intéressant, je sais pas. Il y a des noyeurs morts partout. C'est étrange. Le monstre semblait les tolérer. Tant qu'il ne s'approchait pas trop, je suppose. L'antre ne doit plus être loin. Ah là là, vous sentez qu'on y est là. Des corps putrides, du mucus partout, et cette odeur. Ça doit être son antre. C'est énorme! C'est frais et humide. La bête vient de passer. Je vais prélever l'échantillon. C'est dégueulasse. Tous les tunnels convergent vers ici. Et maintenant? Je dois attirer la bête. Comment? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit.
Mais on sait qu'il aime l'alcool mélangé à du sang. Et j'ai justement de l'alcool sur moi. Non. J'espère que tu ne vas pas te couper ou... Détends-toi, ça ne manque pas de cadavres, je vais en utiliser un. Tu as un échantillon suffisant ? Je l'espère. Je sens mais que ça a mal se passé. Quand même du venin pur une fois que tu auras tué le monstre. Pour distiller un antidote ? Ce sera inutile une fois la bête morte. Détrompe-toi. J'ai des patients qui ont été empoisonnés. Oui, en soi, il y a des patients empoisonnés, donc il faudra bien trouver un vaccin. Lui trouver des propriétés intéressantes. Ouais. Pas con. Bon, bah allez, go, hein, de toute manière, on n'a pas le choix. Je doute de t'être utile au combat, mais tu pourras avoir besoin de moi après. Je vais me trouver une cachette. Tu ferais mieux de m'attendre à la surface. Ou chez toi. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Attends dans le passage si tu veux, même si ça ne me plaît pas. Mais quand le monstre sera là, cours jusqu'à la surface. Bon, très bien. Ouais, parce que là, c'est un coup à ce qu'elle se fasse embarquer. Je sais pas pourquoi, je sens que ce sera peut-être le cas. C'est promis. Non, c'est une fausse promesse. Cache-toi. Sois prudent, Gérald. Ouais, bon, bah après... C'est énorme, comme entre deux monstres, c'est juste trop énorme, quoi. C'est une bête énorme, gigantesque. Ouais. C'est étrange, pourquoi que l'alcool et rien d'autre? Y'a quoi au-dessus? Ouais. Allez, tu vas faire l'appât. On va lui mettre plein d'alcool sur lui. Allez. Ah oui, ça pue. Allez, piti, 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 piti. Viens, viens prendre ta collation. Alors là, par contre, en termes d'huile, je peux rien faire. Je ne sais pas à quoi j'ai affaire. Je n'ai trouvé presque aucun indice à part le fait qu'il aime l'alcool. Donc, mince. Bon, on verra bien. La cinématique est badass là. Ouf. Ouais, le truc arrive. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas être aussi simple. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... What? What? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? C'est un... Mais où? Oh la vache! Ah mais... Alors, il a pas peur du feu, donc ça ne sert à rien. Oh, je vais me faire défoncer? Attendez. À part bouclier Quen, je ne vois pas. Oh la vache! Eh oh! Cours! Comment on va faire? Oh la vache! Empoisonnement! Mais tu peux rien faire! Ce jeu est... Oh non, mais là, je lui fais pas de dégâts et tout. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh là là! Alors, je tourne. Je suis désolée, hein, je fais rien d'intéressant pour le moment, mais... Hop! Voilà, je mange un petit poulet. Bon, il va me... Ouf! Je suis en train d'utiliser l'arbalète, ça sert à rien. Par contre, la potion chat va me lâcher. Qu'est-ce qu'on fait?
C'est impossible, t'as vu le peu de dégâts que je fais? Alors, attendez. Hop, voilà, j'ai mon bouclier. Oh la vache, punaise. Voilà, il cause toi. Heureusement que j'ai Quen parce que... Et comment je suis censé... Mais non, mais qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai fait presque pas de dégâts. Oh la vache! Mais jure, mais... Je peux pas m'approcher d'elle sans qu'elle pète un plomb. Oh putain. Mais genre, et j'étais même pas dans son champ de vision, quoi. Oh là 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 là. Je vais crever, hein. Ok, d'accord, ça servira à rien ce que j'ai fait. Est-ce que je suis condamnée à crever? Je sens, hein, parce que. Regardez le peu de dégâts que je fais. Je peux même pas l'approcher. Ouais, vas-y, advienne que pourra. Hein, merde. Allez! Oh la vache, je mets tellement de temps à me remettre de mes émotions que je peux pas. Je peux rien faire. Ok, d'accord. Ça servit à rien. Oh, oh Gérald, réveille-toi. Je sais pas. Il faut que je crève. Je suis morte. Gérald. Bon, on va voir. Non, non, c'est que... D'accord, je suis décédée, genre... Ok. Mais je fais rien en termes de dégâts. Je peux même pas me préparer à l'arrivée du monstre en soi. Je fais rien en termes de dégâts. Il craint pas le feu. C'est un peu compliqué. Et le problème du Quen, c'est que... Bah, il est aussi vite bousillé par la bête. Par le monstre. Ah la vache. Je suis quand même niveau 35. Et le truc, il est quel niveau? Bah non, je sais pas. J'en sais rien. Parce que j'ai pas accès à son nombre de niveaux. Le problème, c'est... En fait, ils sont vachement méchants parce que j'ai pas le temps de mettre de l'huile sur l'épée, etc. Enfin, j'ai le temps de rien faire. Quoi. C'est-à-dire, on me lance en plein combat et je peux strictement rien faire du tout. L'arbalète ne marche pas, elle fait que 10 points de dégâts, ce qui sert à rien. Et je fais très très peu de dégâts avec mon épée, c'est-à-dire vraiment rien, quoi. Je lui fais une petite caresse sur la joue à chaque fois. Chut, calme-toi. Bon, je vais essayer de retenter, mais je sens qu'on est mal parti, hein. Assez mal parti, très très mal parti même, donc... C'est vachement costaud. Surtout que je pouvais pas deviner... À quoi j'allais être confrontée. D'accord, ok, il y a eu un bug de son, je suis désolée, mais c'est pas dû à moi, hein. C'est dû à la bestiole, au jeu plutôt. J'ai même pas le temps d'agir, quoi. À part faire des ronds, je peux rien faire. Alors, nous avons piège magique, ça sert à rien. Je vais essayer Igni, même si ça, elle ne craint pas le... Ok, c'était Use Bob. Le souffle télékinétique, est-ce que ça peut le bloquer dans ses attaques? Oh la vache. Allez! Oh la vache, Gérald. C'est vrai que j'avais zappé de... Oh la...
D'accord, j'ai même pas pu agir. C'est rien du tout, quoi. J'ai même pas pu balancer mon signe, tellement il a été rapide. Mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Clairement, je peux rien faire. Et il a carrément évité mon signe. Oh là là, et puis empoisonnement, vas-y, quoi. Ah, c'est merdique, hein. Là, je vous dis... Oh la vache. Comment on fait? J'ai pas de plan, en fait. Là, j'ai... Clairement, là, j'ai aucune idée de comment je peux fignoler mon truc. J'ai même pas le temps de... Est-ce qu'elle a... Donc, elle saute une fois, deux... En fait, c'est totalement aléatoire, ces attaques. Ok, d'accord, ok, j'ai foncé dessus. Intelligence! Oh, putain. Oh, laisse-moi jouer! I want to play! I want to play again! Elle pourrait avoir peur. Mais ça a peur de quoi? Personnellement, je sais pas, un crapaud, c'est censé avoir la trouille pour le feu, quoi. Enfin, c'est censé lui faire quelque chose. Ouf. J'ai fait une attaque. Un truc qui claque. Une attaque. Oh la vache, mais comment tu veux que je fasse une parade à quoi que ce soit? Ok, d'accord, c'était pourri. Ça l'a empoisonné, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Oh. Ok, empoisonnement. Ah, la vache! Oh, la vache. Oh, mais en plein dans l'empoisonnement, je vais mourir. Totalement. Ce qui est en train de se passer. C'est totalement putassier là. Le boss est totalement putassier. C'est-à-dire je peux rien faire. Allez. Oh mais c'est pas possible. J'essaye de coller une attaque, c'est impossible quoi. Recule, 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 recule. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ok. Ouf. Ok, 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 ok. J'ai chaud. J'ai très chaud. La vache, mais c'est Dark Souls maintenant. The Witcher, c'est Dark Souls. On va le laisser venir à moi. Oh la vache. Bon, on peut pas tout faire dans la vie. Non, généralement il en balançait trois des trucs d'intoxication là. Peut-être que... Ah ah. Alors, faut pas que j'aille dans les zones embrumées par le poison. Oh la vache. Bon, j'encaisse le coup, j'encaisse. Ok, il en balance deux. Ah, oh, ça, c'est une mitraillette de puanteur, ce machin-là. Oh, la vache. Ah, il s'est écarté.
s'écarter. Si, il en a balancé trois. Oh la vache! Ah, il a fait une nouvelle attaque, hein. Bon, on va l'avoir à... de manière... Oh là là. Il s'est éloigné de moi. Bon, on va faire une attaque à chaque fois, hein. Oh la vache. J'ai chaud. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai chaud. Oh la vache. Allez, 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 Gérald, c'est le temps. Allez, hop. Ok. 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 Non, non, ça, c'est pas super sympa. Mais il est vachement... Ok, 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 ok. Ok. Je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde, en fait, là. C'est vraiment... Vous voyez mon état mental? Je suis en dessous de la normale, là. Je suis méga stressée par le jeu. Je suis super méga stressée, mais je... Vous pouvez pas deviner à quel point. Ok, c'est merdique l'attaque que j'ai pu faire. Ouais, il y a que le bouclier qui peut me... Oh, punaise, ça servit à rien. Il m'a totalement... Ok. En fait, il faudrait que je l'attaque au moment où il balance ses trucs de dégueu, de machin chouette, là. Ok, super. Allez, réveille-toi. J'y arrive, midlife. Ok. Je crois que la meilleure des manières pour l'attaquer, c'était... c'était ça, hein. C'était Quen, hein. Je sais pas si je l'ai eu. Non, non, je l'ai pas eu. Ok, super. Oh! Oh non! Non! Non, Gérald! Gérald! Soigne-toi! Enfin, fais quelque chose! Bouffe! Mange! Fais quelque chose! Ok. Un poulet! Je suis désolée, hein, je fais des roulades tout le temps, mais à part ça, je vois pas. Hein. C'est les seuls esquives que je puisse réussir. Heureusement que j'ai fait un plein de bouffe, hein. Oh! Ok, j'ai fait un truc pas mal. En fait, il saute deux fois quand je suis à proximité. Ok. Oh, j'ai fait la folle. J'ai fait la folle. Ouf. Non. Ok. Ça pue. J'ai plus de poulet. J'ai plus de dinde, j'ai plus de poulet, j'ai plus d'amour de tous les jours. Aïe, merde. J'ai fait la folle. Ok, vas-y. Oh, punaise, c'est pas possible. Ok. Oh, oh là 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 là, j'arrive pas à le toucher. J'arrive pas... Ok, j'ai touché un tout petit peu, mais c'était pas génial. Hein. Oh la vache! En plein sur moi, là. En plein dessus! Ah non, mais... Hey, je vous préviens, dès le moment où on termine ce boss de merde, je vous promets, on sauvegarde. Hein. Allez!
Mais c'est pas possible, j'ai appuyé avant qu'il fait son action. J'essaye de tourner autour de lui. Allez, vas-y, vas-y. Ah ! J'ai pris un risque. Mais je fais aucun dégât là. En fait, il a exactement la même jauge de vie depuis tout à l'heure. Ok, faut le taper à la tête. D'accord, je viens de comprendre. Ok. Mais non, pas empoisonnement. Non. Ok. Putain, c'est pas possible. Ok. Oh la vache. Ok. Oh, il a vomi. En fait, ça sert à rien que je lui tape dans le cul ou autre part, c'est pareil. C'est le même délire. Ok, d'accord, super. Allez, vas-y Gérald, bouge ton fion. Ok, c'est bon, ça l'atteint. Ouais, j'ai chaud, ça brûle. Il aurait suffi d'un baiser. Ah, c'était dur, hein. Ah, c'était dur. Oh, si, mais j'ai pleuré, quoi. Ah, là, c'est... Oh merde. Ah bah oui, il m'a vomi dessus. Hein. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, la bestiole, elle était super, super costaud, quoi. Voilà, c'était un humain. Je vais être accusé de meurtre. Tu vas voir. Zut. J'ai tellement galéré pour le buter. Personnellement, je serais pas très fière de dire « Je me transforme en crapaud géant. » D'accord. C'est bien plus nébuleux, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se réveille enfin. Et il parle humain, on dirait. C'est à croire que tu parlerais jamais, sauf peut-être à ton reflet dans le seau de pisse. Mais où suis-je? Sur l'Albatros. Ah, carrément. Leur langue étrange. En route pour Ophir. Je ne me souviens pas m'être enrôlé comme marin. Ah, c'est pas le cas. Ils t'ont traîné à bord. Apparemment, t'as tué leur prince. Oh. Le crapaud des égouts. Bon sang. Je peux toujours m'estimer heureux. Ils auraient très bien pu me tuer sur le champ. Ça dépend comment on voit les choses. Je parle un peu au feeling. En même temps, j'appellerais pas ça un prince quand même. C'était en mission. Le roi les avait envoyés retrouver le prince pour lever sa malédiction. Ils ont juré sur leur honneur et celui des 5 dernières générations de leur famille. Sains et saufs. Eh ben, c'est raté. Génial. Donc, ils doivent croire qu'ils peuvent sauver leur honneur en ramenant l'assassin du prince au roi pour qu'il soit jugé. Bon, on va y poser des questions. Hein. On navigue depuis longtemps. Oh, ça fait pas bien longtemps, je crois. D'un autre côté... Mais quelle importance... Non, c'est juste pour avoir une information temporelle. Hein. Si on conduit à la potence, je ne suis pas pressé d'arriver.
Moi, j'ai hâte d'être à Ophir. Il paraît qu'ils ont des chevaux sauvages blancs à rayures noires. Ah, j'ai toujours voulu en voir. Ils ne seraient pas plutôt noirs à rayures blanches ? Non, les chevaux noirs à rayures blanches se trouvent à Zangwebar. J'en suis sûr. D'accord. Je demandais où est la jeune fille. Avec une jeune femme, rousse, un médecin. Ils l'ont capturée aussi. J'ai vu personne ressemblant à ça. Tu étais seul. Bien. Après, je lui ai dit de fuir. Et rentrer chez elle, j'espère. Je peux savoir qui tu es. Felipe Calagrande, pour te servir. Larron, receleur professionnel, et guide Oxenfurt, quand j'ai le temps. Et pourquoi es-tu là ? Toi aussi, tu as tué un prince. Eh bien, selon eux, j'ai contribué à sa mort. Je leur servais de guide. Je les ai conduits dans les égouts. Mais seulement après que tu aies éventré leur prince. Oh, le pauvre ! Il n'y avait rien à voir avec ça. T'y es pour rien. En vérité, j'aurais pu rester à l'auberge pour jouer au Gwent. Je n'avais pas à me vanter de connaître Oxenfurt comme le fond de ma poche. Bon, bah on va lui poser la question. J'ai déployé tout mon charme, mais ça n'a servi à rien. Mon Ophiri doit être rouillé. Le mien est inexistant. On va rester en mer au moins un mois. Je pourrais t'apprendre un peu. Elkal, Orgial. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il nous dit de la fermer. Il y a eu un malentendu. Je peux parler à votre capitaine ? Elkal Sokan, Galavakar ul Abatagel. C'est méchant, là, s'il vient de dire, non ? Silence, chien. Tu as tué notre prince et tu vas le payer. Ça, il est pas si rouillé que ça. Si ça ne tenait qu'à moi, tu serais déjà mort. En même temps, votre prince. Ne tient pas à l'art. Laissons-la au roi, il en va de notre honneur. Comment dit-on, conduisez-moi à votre capitaine ? Va, Jalekéoul et Goulat. Quoi ? Elle colle ! Valcht. C'est ça ? Valcht, Alkeoul et Goulat. Ah, je comprends rien là, par contre, là. C'est pas bon ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il t'a dit de rester tranquille, et que tu seras pendu dans 2 semaines. Super ! Super. Vous pouvez pas mieux rêver. Ça sert à rien de leur causer. Ils savent que grenier. Et puis, ils se hérissent, t'as remarqué ? Comme ce poisson. C'est quoi déjà son nom ? Je sais pas. Quelqu'un parle la langue commune à bord ? Un mercenaire les accompagne. Il a l'air édirnien. C'est lui qui m'a recruté pour les guider dans les égouts. Oh, il y a aussi le mage qui les dirige. Je l'ai entendu parler, mais je doute que l'un ou l'autre te parle. À ta place, je pioncerai au lieu de gaspiller ma salive. Le voyage va être long. Quelle chouette perspective, eh ben. C'est le sommeil dont j'ai besoin. Et de quelqu'un avec qui communiquer. Bonjour, Gérald. Vous me remettez ? Oh, je sais pas qui c'est. Pas vraiment. Gaunter demeurait, dit le maître miroir. Nous nous sommes rencontrés à Blanchefleur. Je vous ai aidé à retrouver votre nom, Yennefer. Oh, ça date du début de jeu, mon gars. Nous nous retrouvons et vous avez encore besoin de mon aide. Le gibet vous attend, je crois. Il était spécial, ce gars. Enfin, si ce brouet ne vous tue pas avant. Comment êtes-vous entré ici ? Ce serait trop long à raconter. Voyons plutôt comment vous sortir de là. Ce sera plus productif. Parce que vous voulez débarquer, n'est-ce pas ? Évidemment. Mais comment diable pourriez-vous ? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais vous aider, Gérald. Mais avant toute chose... Ah, j'aime pas ça. Je m'assurerai que vous me rendrez l'appareil. C'est d'accord. On n'a jamais rien sans rien. Tout à fait. Et je suis un marchand, après tout. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas être gagnant dans l'autre sens. Voulez-vous de mon aide ? Pas de l'aide que je vais devoir lui apporter. Marché conclu.
Quand tout sera fini, nous nous retrouverons à minuit au carrefour sous les saules, près du village de Martel. Hein? Ah, et je vais vous faire un cadeau pour que vous ne m'oubliez pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, une marque attestant de notre association. Qu'est-ce que c'est? Qui tu causes comme ça? Ah, personne. Moi, j'ai jamais aimé les ratios. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incessant, ça me retourne l'estomac. Puis on sait jusqu'à l'arrivée, ce serait le pire. Mais c'est le diable en personne, hein? C'est pas possible! Qui c'est ce perso? Alors là, ça m'embouche un coin. Par contre, chapeau, hein, parce que... Du fait de se souvenir d'un perso qu'on a vu en début de jeu... Mais c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a un lien entre le scénario principal et le DLC. Et pour le prisonnier, on doit l'amener devant le roi. J'ai mis mon honneur en jeu dans cette affaire. On pourrait simplement apporter sa tête à votre roi, comme pour l'autre. L'autre s'est noyé. On ne pouvait rien faire. Ah mince, l'autre gars, il est mort, noyé. Ah! Et ils lui ont coupé la tête, apparemment. Ah, ça veut dire que je vais pouvoir les buter. Oh! Oh, badass. Oh! Je vais pas du tout aimer ce combat parce que je sens que je suis pas du tout à mon avantage. Est-ce que vous aimez le feu? Parce que moi, oui, beaucoup. J'appuie déjà sur la touche de sort. J'essaye, chargement, je ne sais pas. Ah! Ça bug! Oh la vache! Oh! Oh, je me fais tellement défoncer! Non. Oh la vache, mais... Oh, j'ai plus rien en termes de vie, c'est juste horrible, quoi. Allez. Oh là là, et puis ils sont tous sur moi, là. Oh punaise. Je peux m'enfuir? Oh, je vais essayer de me démerder comme je peux, mais je suis dans la merde. Oh, clairement, ouais. Clairement, je suis dans la merde. Ouf. Ah, il a tué ses potes! Sans faire gaffe. C'est con, ça! Non! Oh, c'est pas du tout lui que je voulais avoir. C'est ça qui est chiant, en fait, en termes de... Est-ce que le souffle télékinétique va me permettre de... Non! Alors attention! Zut! J'ai pas pu l'en empêcher. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Il m'en manque plus qu'un. Ça
fait. Ok. Non. Ok. Ouf. D'accord, il m'en restait plus qu'un et le jeu a estimé que j'ai pas eu le temps de... Merde alors. Bon. Je recommence. Le problème, c'est qu'on est déjà presque limite à une heure de vidéo, mais je ne peux pas arrêter parce que pour le moment, ça n'arrête pas de tournoyer dans tous les sens, n'est-ce pas ? C'est très embêtant. Très très embêtant. Surtout que là, on n'est pas du tout arrivé. Hein. Là, c'est clair et net. Vu le nombre d'ennemis qu'on a à se faire, c'est pas gagné, gagné, gagné. On va voir ça tout de suite. Chaud, chaud, chaud. Hein. Quand on n'a pas son armure et tout, on sent vite qu'on a du mal à accuser les coups. Hein. Ma belle armure! Ma jolie petite armure. Déjà, se taper le crapaud, c'était bien dur. Oh, là, cette fois-ci, c'était pas mal. Cette fois-ci, c'était pas mal. Le fait que le crapaud soit un prince... En même temps, je pouvais pas le savoir. Hein. C'était pas marqué sur sa tête. Et puis bon, c'est pas un animal très noble, hein, le crapaud. Hein. Non, pas vraiment. Pas du tout, même. Enfin, ça veut dire que ça faisait un long moment, quand même, qu'il était en train de errer dans les égouts. Ce qui avait élu domicile. Ok, c'est mort. D'accord, ok. En fait, le problème des lances, c'est que ils peuvent très vite arrêter mes attaques. Ok, c'est bon, ça m'a suffi pour le moment. Dans l'eau, je suis protégée, c'est ça? Ok. Ça va, il a un pouvoir plutôt sympathique quand même. Hein. Bon, j'ai raté l'opportunité de les taper. Hop. Faut juste qu'il arrête de... Ok. Vache. Oh là là. Oh ce... Oh tu le sens toi aussi. Est-ce que le feu c'était pas mal en soi? C'était pas mal aussi. Ça leur infligeait des petits dégâts sympathiques. Mais alors là par contre ils se sont fait plaisir avec nous aussi. Ok. Oh non. Oh la vache! Mon escalope! Je suis vachement loin quand même! Oh là là, puis il y a les deux derniers là, bien, bien chiant. Ok, ça a servi à rien. Ok, on va prendre le souffle. Ok, ça leur fait rien à eux. Ok, j'ai pas tapé le bon. Oh punaise, c'est pas possible. En fait, le gros souci, c'est que le lock d'ennemis est juste très chiant. Voilà, ok, c'est pas le bon. Par contre, si je peux m'éloigner du match, je serais pas contre. Hein. Oh lui, à chaque fois, il arrive pas à parer. Oh la vache. Il m'en reste plus qu'un. Je vais prendre une escalope. Ok. Je vais reprendre. Je pense que lui... Oh la vache. Oh là là, bon bah il a tué son pote. Alors je pense que lui, Fafar, met un piège. Ok.
il a disparu. Oh, mais... Mais c'est abusé le niveau qu'il a. Alors, on voit. Oh la vache. Et c'est abusé comment il me maîtrise le mec, quoi. Bon, on va pas s'attarder, on va pas faire une vidéo de 3 heures. Je suis désolée de vous laisser là-dessus, sur un échec critique, mais genre... Alors là, il est tellement chaud, ce mage, tellement... Il est tellement énervant, il aligne tellement de... d'attaques que c'est limite impossible de savoir ce qu'il fait, quoi. Donc, bah tant pis pour moi. En tout cas, je sais que j'ai une sauvegarde à ce moment-là. Donc on se retrouvera en plein combat la prochaine fois dans une vidéo qui va venir très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine. En tout cas, j'espère au moins que vous avez apprécié quand même cette vidéo qui est un tant soit peu longue. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut.